Target! Alors Satch s'est fait saigner. Fut chier. Ils étaient trop nombreux. J'ai rien pu faire. Faut reconnaître qu'il savait se battre, mais son cœur était partagé. C'est dur de renoncer à la vie qu'on a aimée. Ouais. Mon idiot de père passait sa vie à se vanter qu'il allait s'acheter son propre navire. Je vais prendre un contrat de corsaire, Charlie. Ton vieux père deviendra capitaine. Il s'est noyé dans le whisky sans jamais quitter le rivage. Alors, Kenway, j'ai bien réfléchi à ta petite affaire, cet observatoire dont tu ne cesses de parler, t'es certain qu'il existe? Je cherche un négrier baptisé le Princess. À bord se trouve un homme appelé Robert. Il nous y conduira. Tous ces négriers travaillent pour la Compagnie Royale d'Afrique. Prends un de leurs navires, on en saura davantage. Capitaine. On cherche un navire négrier. Un de ceux qui travaillent pour la Compagnie Royale d'Afrique. T'as pas l'intention de te lancer dans le trafic d'humains, hein? Mon Dieu, AD. Je croyais que tu me connaissais mieux que ça. On cherche des informations, c'est tout. Je veux savoir où mouille le Princess quand il ne navigue pas. Le Princess? Un navire négrier? Ouais. Barbe Noire m'a dit qu'on avait de bonnes chances de trouver le sage à son bord. Vient de couler un schooner marchand. Bon sang. Cet animal ne pouvait pas s'en tenir à ce qu'on avait dit. Avec nos mortiers. Diminuez les voiles. On est pas à peine. Est-ce qu'on aborde, capitaine? Il reste que des planches. Là, capitaine, c'est là qu'il faut tirer. Toute la toile au vent, lâchez tout. Allez, le monde! Toute la toile! Attention, grâce! Serrez un peu! Tenez toute la toile et tendez! Ce négrier, Kenway. Il y a des centaines d'innocents à bord. Je sais, je sais. Ils ont pris peur, capitaine. Le négrier est en fuite. Pauvre misérable. Je vais nous rapprocher. Il envoie bordé sur bordé. Il va le couler s'il continue comme ça. Il faut s'approcher.
à la dérive. Je vais nous rapprocher. Tout le monde à bord et en vitesse. On peut dégager. Prends ces coups et tu en chasse, Kenway. Je tuerai ceux qui ont coulé mon navire. Calme-toi, mon ami. Souviens-toi pourquoi on est ici. Si on s'y prend bien, capitaine, on pourra tirer avantage du fort. Feu ! Sur ton ordre, capitaine ! Reste hors de portée de ces canons ! Attention au choc ! Concentre-toi sur la manœuvre. Le navire est touché ! Son point faible ! C'est là qu'il faut tirer ! Gardez les cacatois et les huniers ! Serrez les huniers, les gars ! Il peut le supporter. Larguez, huniers, perroquets. Réduisez la toile. Retire bien ajusté, il fera traîner la base. Parez à faire feu. Capitaine, on cherche à aborder ce navire, pas à le couler. Attention à sa puissance de feu. Envoyez toute la toile, en route. Gardez les cacatois et les huniers. Ils sont bien tirés vers l'enfer, les gars. On y va, trouvez le capitaine. La poudre et le fer ont plus de poings que les cris et les insultes, Fame. J'en ai plus cassé de tout ça. Trouvez le capitaine. Après le capitaine, le Princess transite régulièrement par Kingston. Très bien. C'est là qu'on met le cap. Vous avez mis en pièces mes voiles et mon gréement, bande de gredins. Vous me devez une part. Mon Dieu, Ben! Oh, Charles! Tu n'es qu'un démon sans cœur. Ne m'emmerde pas, Jack. Mais t'emmerder est ma vocation. Charles! Les gars! Vous voyez? Les gars et moi... On a discuté pendant que vous perdiez votre temps. Et ils ont trouvé que je ferais un meilleur capitaine qu'une meute de chiens fous. Je te jure que tu finiras castré, sale traître. Celui-là, je devrais bien en tirer 10 livres à Kingston. Mais avec des ivrognes de votre calibre, je préfère prendre aucun risque. Tu regretteras cette journée, Rackham. Je les regrette déjà presque toutes.
Ligotez-les ! Qu'on les abandonne. Je vais t'étriper, Jack Rackham! Je vais t'ouvrir en deux, je vais te sortir tous les boyaux, et je vais en faire des cordes de lutte! Tu peux arrêter de brailler, Vane! Ça nous avance à rien! Oh bah tiens, le redoutable Edward Kenway a parlé. Mais dis-nous un peu, capitaine, quelle issue tu vois à ce désagrément? Et surtout, par quel génie tu comptes conduire un bateau sans voile et sans gouvernail? Tu vas la fermer!